mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici Arsène Vaillant qui vous parle depuis le stade de San Siro à Milan, où nous allons vivre un match aller comptant pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des Champions. Vous le savez très certainement déjà, entre l'équipe de Manchester, dont vous voyez le capitaine Bobby Charlton en maillot foncé, qui est terriblement entouré non seulement des arbitres et des juges de ligne, mais aussi d'une nuée de photographes, et l'équipe de l'AC Milan qui joue en blanc. Vous reconnaissez très facilement ces formations, donc les Milanais en blanc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à la suite d'un incident de liaison provenant d'Italie, nous ne recevons pas les commentaires de Michel Drucker. Vous allez donc pouvoir suivre cette rencontre de football grâce aux commentaires du reporter belge. La fameuse rencontre Belgique-Yougoslavie. Et il faut bien dire qu'à ce moment-là, M. Carnavec ne s'était pas tellement montré brillant. Espérons qu'il sera beaucoup plus à l'aise ici dans cette véritable fournaise de San Siro. San Siro qui est vraiment plein comme un œuf ce soir, ambiance absolument extraordinaire. Tous les records d'affluence sont battus, ça l'archicomble. Record de recettes, plus de 206 millions de livres de recettes, c'est-à-dire plus de 16 millions de francs belges. C'est le record absolu des clubs. Et les équipes qui vont s'aligner dans quelques instants sont les suivantes. En ce qui concerne le Manchester United, dont vous voyez le capitaine Bobby Charlton, le numéro 1 est Rima, qui a donc remplacé Stepney. Le numéro 2, Fitzpatrick, 3, Brennan, 4, Clarence, 5, Falks, 6, Stiles, 7, Morgan, 8, Kidd, 9, Charlton, 10, Law et 11, Best. En ce qui concerne l'AC Milan, le gardien de but est Codicini, numéro 2, Anquiletti, numéro 3, Schnellinger, 4, Rosato, 5, Malatrasi, 6, Rapatoni, 7, Amarin, 8, Lodetti, 9, Sormani, 10, Rivera et 11, Frassi. Et c'est Rivera qui donne une longue balle en avant, qui est captée, comme vous le voyez, très aisément par Rima. Il règne une température très douce ici au stade de San Siro, où à l'entrée des équipes sur le terrain, on a eu droit à un véritable feu d'artifice. C'est vraiment l'ambiance des tout grands jours, et je dirais même que j'ai rarement vu une ambiance comme celle-là, même si depuis des années déjà, j'ai l'occasion et le plaisir de vivre un peu partout en Europe les rencontres qui concourent cette Coupe d'Europe. C'est Karen qui a la balle. Des deux côtés, on a eu des ennuis de sélection, on a hésité longtemps, aussi longtemps, aussi bien du côté de l'AC Milan que du côté de Manchester, et même vraisemblablement beaucoup plus de Manchester United, étant donné qu'il y avait plusieurs joueurs qui avaient été blessés. Là, il y a eu une faute de Fitzpatrick. C'est Schnellinger qui donne le coup franc. Brennan, Karen. Karen qui envoie plein sur l'arbitre, comme vous l'avez vu. Une passe qui était destinée à Best. Là, c'est Rivera qui se fait prendre la balle par Stiles. Stiles qui est bloqué pour le moment, qui est attaqué par Law. Law qui va peut-être jouer dans un rôle assez différent de celui qu'on lui connaît habituellement, puisque d'habitude, Law joue en pointe dans cette équipe de Manchester United. Il joue en pointe avec Kidd. Et pour le moment, presque tous les joueurs de Manchester sont regroupés derrière. Et il n'y a qu'un homme en pointe pour l'instant, qui est Kidd, le voilà d'ailleurs, qui n'a pas pu intervenir. Sormani. Oh là, une remarquable salade de Rivera. Rosato. Rosato. Encore Rivera. Et c'est Morgan qui est intervenu. Allez, si tu prends la balle par Amrin, Sormani, une balle qui est détournée par le gardien de but, mais qui, à mon sens, allait passer à côté d'Épinay. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ambiance extraordinaire. Il faut avoir un air vraiment très solide pour pouvoir tenir le coup ici, dans une ambiance comme celle-là. Amrin de la tête, Stiles.
avec Franck et Gomez Font. Coupe donc pour l'Inter Milan. Donc c'est Brennan qui aurait fait la faute. Et pour le moment, c'est Manchester United qui est vraiment collé le dos au mur. L'Inter Milan essaye de démarrer en force pour essayer de mettre knock-out immédiatement cette équipe de Manchester United. Qui, vous le savez, en championnat d'Angleterre, ne réussit pas tellement bien pour l'instant puisqu'elle occupe la 10e place alors que Milan est 2e du championnat et un point seulement. Et nombreux sont ceux d'ailleurs qui pensent très sincèrement que l'Inter Milan va remporter aussi la victoire au championnat d'Italie. Nous allons rester à l'égard qui monte et qui se fait descendre. La fin de mort. Oh! Et il y a Sparrow Gerrard qui avait aussi commis une faute. Après cela, on donnant carrément un coup de pied. Qui a échappé à l'arbitre là. Et c'est Schneidinger que vous voyez. Et l'arbitre n'a même pas sifflé de faute. Oh là là, ça c'est assez extraordinaire parce qu'à mon sens, il y avait manifestement un coup franc. C'est l'Odessi qui avait croisé la balle. Et pour le moment, il n'y en a pratiquement que pour l'AC Milan. Il y a 4 minutes que l'on joue, toujours 0-0. Et une balle interceptée par Kearns. Il va se la faire prendre, oui. Tormani, Schneidinger. Et Rimmer qui est sorti devant Amrin. Un match qui est terrible pour l'instant. Terrible par son ambiance, terrible par son intensité. Il y a vraiment de la nervosité dans l'air de tous les côtés. Et l'AC Milan est vraiment parti à fond pour essayer d'assurer sa participation à la finale de la Coupe d'Europe qui, vous le savez, aura lieu à Madrid le 28 mai prochain. Et c'est Fitzpatrick qui descend. Une longue poussée de Fitzpatrick, donc qui est l'arrière gauche vers Bobby Charlton. Encore Fitzpatrick, il y a une erreur de marquage chez les Milanais pour l'instant. Fitzpatrick, long. Et maintenant c'est Rivera, attaqué par Clarence, qui était vraiment laissé sur place. Très très bien joué de Rivera. Magnifique effort de Rivera. Et il va peut-être arriver à bout de souffle, là oui. J'ai l'impression que l'arbitre laisse tout de même faire un peu trop pour l'instant. L'Odessi. Et c'est très calmement que Brennan est intervenu. Que Fox est intervenu. Fox qui, avec Bobby Charlton, est l'un des rescapés, de même d'ailleurs que Sir Matt Busby, l'un des rescapés de la triste catastrophe de Munich. Oh là, il y avait une poussée dans le dos aussi qui était fautive. Et M. Carnavec, lui, semble vraiment ne pas du tout faire attention à ça. Notez qu'il se trouvait difficile. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous recevons à l'instant les commentaires de Michel Drucker, commentaires que nous nous empressons de vous transmettre maintenant. Bonjour maintenant depuis 6 minutes en première mi-temps, toujours 0-0. Rivera. L'Odessi Tormani. Bousculade, un joueur italien reste au sol, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas, mais l'arbitre Knavec, le tchèque, laisse le jouer, il a raison d'ailleurs. Kreran, longue montée de Kreran, l'arrière de Manchester. Kreran, a servi à l'aile gauche, obstruction d'ailleurs par l'arrière italien, et l'arbitre accorde un coup franc, oui. Il avait servi Denis Flo. C'est un coup franc qui va être tiré par Best, délié gauche, 22 ans, irlandais. Balle brossée contre les Italiens. Et Amrin. Un but dégagé. L'Odessi. Rivera. Prati par l'aile gauche. Rivera lui donne la balle. Et interception de l'arrière britannique Fitzpatrick. Qui a qualifié l'AC Milan lors du tour précédent contre le Celtic. Centre de Rivera, oh que c'était dangereux. Centre-tir de Rivera,
Amrin se déprécipiter. Amrin qui a 36 ans. Le Suédois Amrin demeure toujours très dangereux, très expérimenté. Il connaît parfaitement la Coupe d'Europe et l'équipe de Manchester. D'ailleurs, à Manchester ce soir, il y a 35 000 personnes réunies au stade Old Trafford qui regardent ce match qui est retransmis sur un écran géant. Best. Il a l'air frêle, il a l'air chétif, mais quel joueur ce Best. Amrin. Bobby Charlton qui fait sa rentrée dans l'équipe de Manchester après un mois d'absence, il avait été sérieusement blessé. Longue balle de Charlton. Pour Gidden, qui n'a pu éviter la sortie. Et c'est Giudicini, l'immense gardien, 1m92, immense gardien de l'AC Milan qui dégage calmement pour son demi-centre Malatrasi. Et ça repart pour Milan. Oui, la balle est sortie. Derrière, Brennan est aux prises avec Amrin. Bousculade entre Clerand et Rosato. Et M. Knavec, l'arbitre tchèque, accorde un coup franc qui va être tiré par Amrin. Ah, c'était dangereux! Amrin avait tiré directement et le gardien Rimmer anglais a vraiment frôlé cette balle. On a cru un instant d'ailleurs qu'elle allait frapper la barre transversale. Rivera et Prati, respectivement, avançant intérieur gauche et ailier gauche, rapportent parfaitement. Rivera, qui cette fois a servi Lodetti. Intervention de Charlton, le régulateur, le maître à jouer de cette équipe britannique. Charlton a donné à son camarade Kidd, et c'est finalement Crerán, l'arrière, qui va avancer. Crerán, Denis Lowe. L'Écossais, numéro 10, très grand joueur. Crerán. C'est dangereux. Crerán pour Fitzpatrick, à nouveau Crerán. Attention, il y a beaucoup de monde dans la surface de... Magnifique test! Magnifique test du numéro 8, c'est-à-dire Kidd, qui n'a pas trompé Giudicini. Coup de tête très violent, très précis. De Kidd, un des plus jeunes de l'équipe de Manchester, il n'a que 20 ans. Véritable révélation de ces deux dernières années, Kidd. Toujours Manchester par Fitzpatrick. Morgan. On le confond souvent avec son camarade de l'autre aile, c'est-à-dire Best. Ils ont le même style tous les deux, la même jeunesse, la même vivacité. Il réussit à centrer. Mais l'arbitre avait sifflé une obstruction auparavant, au bénéfice des Italiens. Un coup franc qui est joué par Malatrasi. Bousculade, l'arbitre laisse jouer. Vous voyez que les Italiens savent jouer la comédie. Un joueur est au sol, mais l'arbitre laisse jouer. Je crois d'ailleurs que c'est Gianni Rivera, le capitaine. Lodetti. Prati, très dangereux. Prati, mais c'est Rivera qui est au sol. Il se plaint de la cheville droite. L'arbitre arrête enfin le jeu, oui. Ce choc avait semblé anodin. Et comme tout à l'heure, sur un même choc, un joueur était resté au sol. L'arbitre avait laissé jouer, il était mieux placé que nous. L'arbitre qui se trouvait à une dizaine de mètres de Rivera a pensé que là aussi, il n'y avait plus de peur que de mal et c'était un peu de la comédie. Mais il me semble que le capitaine milanais soit assez sérieusement touché. Espérons que ce ne sera pas grave, car évidemment, si Rivera était blessé maintenant, ce serait vraiment un très lourd handicap pour le club italien. Rivera qui est le Bobby Charlton de Milan, le régulateur, celui qui connaît parfaitement ses camarades, qui connaît le jeu, qui connaît aussi la compétition, qui a déjà disputé 3 Coupes d'Europe. Voilà, tout semble s'arranger.
Ribera va reprendre maintenant sa place. Joueur bien proportionné, Ribera. Et pratique très dangereux. Toujours l'ailier gauche. Qui a réussi l'exploit. Vous voyez ici le capitaine Ribera. Qui a du mal à retrouver son équilibre, qui souffre toujours de la cheville droite. Corner pour Milan. Tiré par Amrin. Et très belle interception de Riemer. Jimmy Riemer. Qui lance immédiatement la contre-attaque pour Manchester. Charlton qui n'a pas touché beaucoup de balles jusqu'à maintenant. Alors que les arrières italiens sont dans un cœur joueur, vous avez vu Trapattoni, Anquiluetti. Toujours lui, Anquiluetti. Lance à droite pour l'avant-centre Sormani. C'est violemment heurté à Brennan. Et l'arbitre accorde un coup franc ou une touche? Non, une touche. Lodetti. Trapattoni, il vient chercher cette balle. Mais le contre a failli être favorable à Bess. Un kilo ici, 25 mètres, cherche Prati, il amortit la patrine, oh là là! Oh, si le crochet de Prati avait été réussi! C'était dangereux pour le gardien Riemer. Denis Lowe qui se replie. Depuis le début du match, il va chercher les balles très loin. Toujours Lowe. Écossais, meilleur joueur d'Europe il y a 3 ans. Amrin. Évite la sortie, lance en avant et pour personne. Sinon pour Malatrassi. Et bien sûr, sifflet des tifosi. Qui attendent bien entendu une victoire de leurs idoles ce soir. Au Stade San Siro. Bobby Charlton. Qui a été incertain jusqu'à encore ce matin. Et qui a rassuré tous les supporters anglais. Oh. Brennan. Ah, vous voyez, cette défense implacable, cette défense italienne. Un rideau défensif très difficile à passer. Avec deux ou trois joueurs en pointe, Ribera et Prati. Voilà, cette fois, c'était Amrin, le vétéran, qui avait été bousculé par Brennan. Vous voyez que sur le banc de touche, Ribera est sorti. Il est parti se faire soigner. Les Italiens jouent donc à 10 maintenant, depuis 2 minutes. Ribera maintenant trottine sur la touche, il essaie de reprendre sa place, mais il semble que ce coup reçu à la cheville le fasse terriblement souffrir. Nereo Rocco, l'entraîneur milanais, est à ses côtés. Les coups francs. Ah, Gianni Ribera, que ce serait dommage si Ribera est obligé de s'abstenir à la 10e minute. Car c'est sans doute le joueur le plus expérimenté de Milan. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il en est le capitaine. Coup franc tiré par le numéro 11, Prati. Très dangereux, 16e minute de jeu, 25 mètres, face au but anglais. Le mur se forme, on aperçoit Sam, Charlton, Lowe. Oh, tir de Prati. Oh là là. Ah, oh, il a eu un réflexe Riemer. J'ai bien vu un moment, j'ai cru que la balle allait au fond des filets. Sur ce poulet de canon de Prati. Il a détourné en corner, il est très mécontent d'ailleurs. Riemer. Riemer s'en est pris d'ailleurs pendant quelques secondes à ses défenseurs. Et le mur de Manchester semblait vraiment fissuré. Et là vraiment, c'est la première occasion très sérieuse des Milanais. Coup franc. Nouveau coup franc. Vous voyez que c'est un match difficile, très dur. Nouveau coup franc pour Milan. Oh, la belle tête! Quelle tête merveilleuse de Sormani! Mais Riemer était bien placé. Ah, le jeune Riemer qui a 19 ans donne l'impression d'avoir déjà un métier, un sang-froid, une maîtrise exceptionnelle pour un garçon de son âge. Sormani, Prati. Bousculade.
bousculade avec le numéro 2 anglais, c'est-à-dire Fitzpatrick. Et coup franc tiré par Snellinger. C'est un véritable corner ce coup franc. Charlton. Eh oui, c'était bien essayé de la part de Rosato. Et toujours sur le banc de touche, le capitaine de Milan, Rivera. Ah, ce serait vraiment catastrophique si Rivera ne pouvait reprendre sa place. Là, je vous signale d'ailleurs que depuis 4 minutes, près de 4 minutes, les Milanais jouent à 10. Oui, c'est bien joué le Desti. Le Desti en position d'avancement poursuivi par Bobby Charlton. Évite Lowe, mais tombe sur Morgan. Lowe, qui va relancer l'attaque de Manchester. Lowe pour Kehran derrière. Tire de loin au-dessus. Il se fait copieusement siffler. Sur l'image, vous ne le voyez pas, mais Kehran, auteur de ce tir, a été terminé au passage par son capitaine Bobby Charlton. Et Gianni Rivera revient à la grande joie des tifosi. Voilà, il fait signe à l'arbitre. Les supporters milanais respirent. Voilà, l'équilibre cette fois est rétabli. Et vous voyez les pétards qui explosent, toutes les couleurs qui explosent sur la pelouse de San Siro. Pleine à craquer. Ça se joue à guichet fermé, je vous l'ai dit. Et dans les rues, toutes les rues italiennes, des villes italiennes ce soir sont désertes, vous pouvez en être sûr. Toute l'Italie s'arrête de vivre ce soir pour regarder ce match. Il avait d'ailleurs été question de ne pas téléviser ce match dans la région de Milan, mais quand on a vu que la recette était déjà faite et qu'on jouait à guichet fermé déjà depuis une semaine, on a autorisé la diffusion du match sur la région de Milan. Styles! Ah, ce Styles, toujours aussi rugueux dans ses contacts. Denis Flow donne l'impression d'être nonchalant, mais qui a vraiment la classe, le talent. Nobby Styles, qui est déjà sifflé, qui a, vous le savez, la réputation depuis plusieurs années d'être un défenseur les plus dangereux de tous les terrains européens. Mais il ne s'occupe absolument pas de cette mauvaise réputation, et il défend. Et il défend bien. C'est un grand joueur, Styles. Un joueur viril, un joueur rugueux. Mais n'est-ce pas là le caractère du football anglais? Remise en jeu par Kehran. Ah, et Gianni Rivera va à nouveau sortir. Rivera a essayé de reprendre sa place, mais il a vraiment reçu un coup. Et pendant ce temps, bien entendu, les joueurs de Manchester s'en donnent à cœur joie. Et vous savez, à ce niveau de la compétition, à ce stade, jouer à 10 contre 11, c'est un handicap. Surtout quand ce 11e homme sorti s'appelle Rivera. Voici. Je surveille le banc de touche. Je vois qu'un joueur de Milan se déshabille maintenant. C'est le numéro 14 qui va remplacer. C'est Fogli. Oui, c'est Fogli qui remplace Gianni Rivera, qui va sortir définitivement apparemment. C'est Fogli, le numéro 14, un joueur très expérimenté qui a 31 ans. Originaire de Toscane, qui a été 18 fois sélectionné en équipe italienne et qui a joué 324 rencontres en première division depuis qu'il est professionnel. C'est un habitué de la Coupe d'Europe, excellent tacticien. Bousculade. C'est donc maintenant Fogli qui remplace Gianni Rivera. Sorti trop tôt, beaucoup trop tôt. Sorti pratiquement à la 15e minute de jeu, sur blessure. Prati, avec ses crochets irrésistibles. Pietrino Prati. Oh, quel joueur! Et il s'est heurté à qui? Devinez, eh bien à Styles. Nobby Styles, numéro 6, toujours là quand il faut. Corner, premier coup de pied. Qui remplaçant Fogli qui fait son entrée. Romano Fogli. Bien tiré ce corner.
Dégagement de la défense de Manchester. Pas pour longtemps. Lodetti. Bête très replié. Et sifflé pour avoir mis en touche. Regardez pratique, il y a 30 secondes d'été à gauche, il saute maintenant à droite. Et par terre. Ah, monsieur l'arbitre tchèque, Slavek, a vraiment ce soir beaucoup de travail. Attention, sur ce coup franc, c'est dangereux. Et Rimmer va pouvoir dégager. Jimmy Rimmer, qui a été préféré au vétéran Stepney au dernier moment. Et Matt Busby, entraîneur de Manchester, a d'ailleurs déclaré que Rimmer était sans doute le futur gardien de l'équipe d'Angleterre. Un joueur exceptionnel. Prati. Prati qui à l'aile gauche est sérieusement marqué par les défenseurs britanniques, mais qui a toujours ses dribbles, vous voyez à gauche ce maillot blanc avec les chaussettes complètement baissées, comme le faisait il y a quelques années un autre grand joueur originaire d'Amérique du Sud, Tivori, Omar Tivori, qui jouait aussi les bas baissés et qui a été l'idole des foules italiennes pendant de très nombreuses années. Fogli dans le rond central, attaqué par Stiles qui se fait passer, mais Lowe est là en couverture. Best aux prises avec Fitzpatrick, avec Anculetti. Best réussit à centrer. Et Cudicini, mais en corner. On joue maintenant depuis 25 minutes. Toujours 0-0, corner tiré par Morgan. Très jeune, 21 ans. Qui a donné à Kidd, centre de Kidd. Ah oui, avec 1m93, quand on est gardien de but, sur ce genre de balle, on est toujours bien placé. Et d'une main, il a été bousculé, ouais. Bousculé sur ce corner, Cudicini et coup franc accordé par l'arbitre. Schellinger. Ouais. Non, non, il n'est pas en jeu. Amorim n'est pas en jeu. Amorim n'est pas en jeu. Ah, que c'est dommage. Noddy Stiles s'est fait surprendre sur cette longue ouverture de Schellinger destinée à Amorim. Amorim qui a poussé sa balle un petit peu trop. Qui a permis à Rimmer de dégager. Et c'était très dangereux. Ferran. Bobby Charlton derrière lui. Toujours Ferran. Pour Morgan. Kidd. Balle molle qui va permettre à Cudicini de dégager. Oh là là. Ah, c'est vraiment un combat de géant ce soir, d'une vigueur, d'une virilité extraordinaire. Évidemment, quand on en arrive à ce stade de la compétition en Coupe d'Europe, l'enjeu est tel pour un club comme Manchester et pour Milan que les défenses vraiment jouent très serré et on ne laisse rien passer. Ici de dos le numéro 9, le rencontre Stormani. Qui va donner maintenant à Rimmer pour pouvoir dégager. Lowe, Dennis Lowe, donne à Rimmer. Cette équipe de Manchester est tout de même fantastique. Quand on pense qu'elle a été, vous vous en souvenez, complètement décimée en 1958 à l'issue de la catastrophe de Munich et que 11 ans après, elle retrouve une équipe de premier plan. C'est vous donner une idée de la richesse du football anglais. Schellinger, remise en jeu. Pino Prati, aux prises avec Anculetti. Touche au bénéfice des Italiens. Oh, c'est dangereux. C'est très dangereux. Stormani, Schellinger. Il cherche, change complètement d'aile. Oh. Et c'est Brennan, le petit arrière Brennan. Qui dégage. Brennan, Creron. Relance Brennan.
Ferran en position d'ailier. Et Best est arrivé un peu vite sur cette balle. Et Denis Sow de 25 mètres dans la primeur, bien entendu. Et sifflé par les Milanais. Ah, vraiment, le match est très très indécis, très serré. Les Italiens ont pour eux, bien sûr, l'expérience. Ils ont frappé. Et ils ont surtout 85 000 supporters. Mais Manchester joue calmement avec sang-froid. C'est étonnant d'ailleurs de voir un joueur comme le petit Best que vous voyez ici, le numéro 11, jouer avec calme dans un tel cratère, dans une telle arène, alors qu'il n'a seulement que 22 ans. Mais ces joueurs de Manchester sont vraiment habitués aux très grandes rencontres. Ils sont sûrs de leur technique aussi, de leur expérience. L'équipe de Manchester, d'ailleurs, c'est le mélange de l'expérience et de la jeunesse. Il y a Folks à l'arrière, un des rescapés de la catastrophe de 58. Il y a l'arrière ici que vous voyez, Crennan. Il y a maintenant le jeune Best qui lui est tout jeune. Il y a Denis Law qui est plus ancien, qui cherche un partenaire démarqué. Attaqué par Fogli, le 14. Et l'arbitre sur cette action. Accorde un coup franc aux Anglais. Tiré par Crennan. Dans les 18 mètres, j'aperçois Kidd, Best, Morgan, voici Kidd, à nouveau Crennan, contre et dégagement pour l'Italie. La balle est en sortie en 6 mètres. On joue maintenant depuis 30 minutes, tout juste. 30 minutes au cours de cette première mi-temps de demi-finale de Coupe d'Europe entre l'AC Milan et Manchester United. Voyez comme les contacts sont rugueux. Toutes les vedettes, dans chaque camp, les vedettes sont bouclées par les vedettes de l'autre camp. C'est extraordinaire. On suivit de près Denis Law, qui a déjà effectué un travail considérable depuis 30 minutes. Fritz Patrick. Longue balle de Law. Malafrasi s'était précipité. Et l'arbitre, oui, ce qui m'a semblé, car Malatrasi a touché la balle au passage. Il a touché la balle, d'ailleurs il a frôlé, cette balle lui a frôlé le bras, mais il l'a tout de même touché, ce qui permet à Manchester de venir à corner. Voici les deux déliés de poche, Best, on se centre, tir de Best. Vous avez vu quelle rapidité il s'est joué de Schnellinger, contre-attaque italienne. Stormani, Prati. Regardez bien ce Prati. Révélation 68. Centre de Prati. Schnellinger, position d'inter. Alors qu'il a Morgan, l'ailier droit en position d'arrière maintenant. Et le petit Morgan, qui ne veut pas s'en laisser compter. Schnellinger, la balle n'est pas sortie. Attention à Schnellinger, qui réussit à donner à Prati. Tire de Prati, bel arrêt de Rimmer. Bon arrêt de Rimmer qui fait vraiment un très bon début de match. Les Italiens d'ailleurs ont déclaré à nos confrères de la presse écrite avant ce match qu'ils seraient comblés s'ils pouvaient marquer un ou deux buts ce soir, car ils restent persuadés qu'ils pourraient, lors du match retour à Old Trafford à Manchester le 15 mai, pouvoir préserver ses deux buts d'avance. Mais bien entendu, les joueurs de Manchester ne l'entendent pas de cette oreille. Ah, les joueurs de Italiens dominent là depuis 5 à 10 minutes. Attention à Stormani, but ! But de Stormani ! But de Stormani !
Je pense que vous allez revoir ce but. Regardez cette action. Échange, raté de la défense, tir de Sormani et but. Et Sormani, vous l'avez revu. Vous avez revu cette action à la vitesse normale. Sur une hésitation de Fols et de Kéran. Sormani vient de marquer. 33e minute de jeu. Et voilà. Voilà ce que ça donne quand on marque un but à Milan. Regardez les tribunes. Et quand on est Milanais, bien entendu. Maintenant, bien entendu, c'est du délire dans le stade. Ah, c'est un but. C'est un but qui vaut d'or en demi-finale de Coupe d'Europe. Il y a une hésitation très nette de la défense de Manchester. Et Sormeil en a profité pour croiser violemment son tir. Le gardien était sur la trajectoire mais l'a pu éviter. La balle qui est rentrée dans les filets. Fogli. Ah, maintenant les Milanais vont appuyer sur l'accélérateur. Charlton calme le jeu avec son expérience et son sang-froid. Il va essayer d'organiser maintenant l'attaque. Prati aux prises avec Denis Lowe. Toujours Prati. Toujours Prati. Attaqué par Lowe. Prati conserve le contrôle de la balle. Bousculade et l'arbitre. Schnellinger. Strapattoni était venu l'aider. Il y avait également Lodetti. Vous voyez le nombre de coups francs, c'est extraordinaire. L'arbitre a sifflé déjà une quinzaine de coups francs. Et le panneau d'affichage. But de Sormani, Milan 1, Manchester 0. Best. Sormani, l'auteur du but, a donné à Prati. Oh, que c'était dangereux. Et vous avez vu, c'est encore Nobisal. C'est encore Nobisal qui était venu en couverture. Nobisal a peut-être évité déjà deux buts à son équipe. Longue montée maintenant du petit ailier. Morgan qui dribble un joueur, deux joueurs. Ronan Allo. Denis Lowe. Pour Kéran. Mauvaise interception de Sprint Donkey Westy. Best, la terreur de Manchester. Best, toujours lui. Quel technicien ce petit Best. Toujours Best, centre. Tête de Kidd directement dans les bras. Dans les tentacules, allais-je dire, de Cudicini. Et ça repart, Lodetti. Ah, que les contacts sont virils. C'est d'une touche cette fois. Non, c'est à nouveau un coup franc. Schnellinger. Denis Lowe, vous entendez sans doute cette foule immense, déchaînée, qui maintenant a pris confiance, bien entendu, à l'image de ses idoles, car Milan mène un but à zéro. Nobby Style. Il se fait siffler, je vous l'avais dit, mais seulement il est efficace. Regardez comme il fait signe à ses camarades de se démarquer, Nobby Style. Charlton,
deux joueurs de l'équipe d'Angleterre qui se connaissent bien, ils ont joué la Coupe du Monde en 66 ensemble. Denis Law, attention, c'est dangereux. Law ajuste son tir, mais l'arbitre avait sifflé auparavant. Il avait sifflé hors-jeu, je crois. Oui, je crois que sur cette action, c'était le Kid qui s'était mis hors-jeu. Rati. Sormani, l'auteur du but. Solide, 30 ans, 1m80, 85 kg et un tir fulgurant, vous l'avez vu. Amrine croise avec Fogli, c'est bien joué. Amrine toujours, mais c'est non, que c'est dangereux. Amrine partait entre trois arrières. Il avait réussi à conserver le contrôle du ballon. Entre trois arrières anglais. La défense de Manchester a du mal à trouver la bonne carburation ce soir. Et il faut à chaque fois que ce soit Folk et surtout Nobisal qui viennent balayer derrière et devant Rimmer pour éviter les dangers. Denis Law, remise en jeu. Très encouragé, le Desti. Le Desti qui a 32 ans. Giovanni est un homme de milieu de terrain redoutable. Et Milan. On scande Milan, maintenant c'est le déchaînement après 40 minutes de jeu. C'est vraiment un spectacle extraordinaire. Toute l'Italie, je vous l'ai dit, se prépare depuis une semaine à vivre cette soirée. Il fallait voir l'ambiance qu'il y avait dans les rues de Milan cet après-midi. Prati, position d'avançante, bousculée par Fitzpatrick. Réussit à conserver le contrôle du ballon et donne à Fogli. Et Prati à longue d'enjambée. Prati qui normalement est ailier gauche, qui est en position d'ailier droit. Qui a vraiment éclaté à l'occasion de la Coupe des Coupes, notamment contre Hambourg en 1968. C'était dangereux cette balle devant Fogli. Et Prati qui, après avoir été prêté par Salerne, après quelques années passées dans les rangs juniors, est devenu maintenant non seulement le titulaire à part entière au poste d'ailier gauche, mais un des meilleurs avants d'Europe. Quel travail fait cet avançant de Tormani. Talonnade pour Frappatoni. Schnellinger. Et regardez, il était à droite il y a quelques instants. Il est maintenant à gauche, Prati. Il a laissé sur place un Kilouetti. Fitzpatrick plus exactement. Et Nobisal, toujours lui. Monte, balle au pied. Et sifflé. Denis Law. C'est vraiment la charpente de l'équipe de Manchester. Style, Law, Bobby Charlton, Folk, avec en pointe les deux petits avants, Best et Morgan, toujours Style. Denis Law. Morgan, en position d'avançante, réussit à centrer le dégagement d'un Kiwesti. Pour Law. Et encore Prati. Et la balle est sortie pour... maintenant l'arbitre regarde sa montre. 40, il reste encore 6 minutes à jouer en première mi-temps. Je vous rappelle que Milan mène devant Manchester United par 1-0. But marqué par Tormani. Bobby Charlton. Cherche un partenaire et donne à son compère Denis Law. Quitte toujours. Charlton, Nobisal en position d'affaire, c'est dangereux. Hors jeu, dit l'arbitre, oui. Hors jeu de Morgan, bien signalé par le juge de touche qui est tchèque lui aussi. Les trois juges sont tchèques ce soir. Et puisque nous parlons de Tchécoslovaquie, je vous indique que c'est demain qu'a lieu le match retour de la deuxième demi-finale, cette fois qui oppose l'Ajax d'Amsterdam au Tchèque de Trnava. Ce match retour alliant Tchécoslovaquie à l'aller.
l'Ajax d'Amsterdam que vous aviez vu à Paris éliminer Benfica. Les joueurs d'Amsterdam ont gagné 3-0. C'est dire qu'ils ont des bonnes chances de participer à la finale qui aura lieu à Madrid. Bousculade. Que dit l'arbitre? Il a joué. C'est curieux, là, il a joué. Alors que qui avait été bousculé tout de même? Fogli. Ah oui, c'était pour Sormani. Cette très longue balle de Fogli, longue ouverture. Krenan. Krenan maintenant. No big time. Ah oui, mais mal interprétant d'un kilouetti. Et Fitzpatrick, qui était d'ailleurs incertain, il se prête des élongations au mollet à passer, vous l'avez vu sous les sifflets, à Rimmer. Belle ouverture de Charlton pour Best, aux prises avec Anquiluetti, toujours Best. Toujours Best, bousculé, oui, coup franc, a dit l'arbitre, très juste, qui équivaut à un petit corner. Oui, oui, Anquiluetti a nettement balancé là, nettement frictionné les frêles mais talentueux mollets. C'est du jeune Best qui va tirer lui-même ce coup franc. Balle brossée, hein, directement sur la tête d'Anquiluetti. Attention à cette contre-attaque des Milanais. Lodetti, Sormani, Fogli et Bobby Charlton. Nobby Stiles, pardon. Nobby Stiles, exactement. Ah, ces petits crochets, ces dribbles. Regardez. Best. Charlton a voulu lui redonner la balle. Best est retourné pour discuter avec l'arbitre qui va permettre aux Milanais de dégager. Krenan. Brennan. Sormani a servi Prati. Attention à Prati. On croit souvent que la balle est perdue et il la récupère. Cette fois, les Anglais ont mis directement en touche. Fogli qui a remplacé Rivera au bout d'un quart d'heure. Amrin. Oh, cette balle! Oh, que c'est beau! Que c'est joli! Regardez à nouveau cette action! Regardez cette action à la vitesse normale. Cet échange entre la tête Sormani, Amrin, nouvelle tête Sormani. Fantastique. 2-0. Et l'arbitre refuse le but apparemment. Oui, l'arbitre refuse le but. Que se passe-t-il? Le juge de touche. Il y avait dû y avoir une faute. Et l'arbitre a d'ailleurs sifflé la mi-temps sur cette faute. Oui, il y avait paradis là en jeu. Plus personnellement, on a un petit Nobistal qui rentre au vestiaire. Regardez à nouveau cette action. Je ne vois pas du tout ce que monsieur l'arbitre a vu sur cette action. C'est très difficile. Malheureusement, la caméra ne balaye pas. Donc, c'est peut-être Joseph Mercier qui suit à côté de moi cette rencontre. Je dis que hors jeu, oui, peut-être au départ de cette action. En tout cas, Milan mène tout de même par 1-0. La mi-temps va maintenant se terminer au stade de San Siro à Milan. On m'a fait dire par les intermédiaires de nos techniciens de Paris que vous n'avez pas entendu notre commentaire pendant les 5 premières minutes, mais je crois que nous avons été très bien remplacés puisque c'est notre confrère belge Arsène Vaillant que vous avez entendu au début de ce match. Je pense que maintenant les lignes sont rétablies et la première chose que je vais vous dire, vous vous demandez peut-être que s'est-il passé sur cette action dangereuse à la fin de cette première mi-temps où les Milanais ont donné l'impression de marquer. Je dis bien donné l'impression, car pour nous tous dans la tribune de l'Eurovision, nous avons vu la tête de Sormani entrer directement, tout du moins le ballon sur cette tête de Sormani, entrer directement dans l'épée. Mais en fait, le ballon est passé au ras du poteau et il a heurté la barre extérieure du but du gardien italien, du gardien de Manchester, c'est exactement Rimmer. Il n'y a donc pas eu de but. Voilà l'explication. Voilà, je m'étais interrompu une seconde pour m'assurer que cette fois le commentaire passait bien.
Donc, je vous le dis, c'est par 1-0 seulement que l'équipe de Milan mène devant Manchester ce soir, car le deuxième but n'en était pas un. La balle est passée à l'extérieur du but en frôlant le poteau. Il a fallu revoir l'image d'ailleurs au cours de cette mi-temps pour voir vraiment que le ballon avait heurté l'extérieur droit des buts du gardien britannique Rimmer. C'est donc seulement par 1-0, but qui me semble d'ailleurs assez mérité. Vous n'avez pas entendu notre commentaire au début de ce match. Je vous reprécise donc qu'il y a 85 000 personnes, mais ça vous l'avez sans doute entendu au cours de cette première mi-temps, que la recette ce soir atteint le chiffre record de 206 millions de lire, 181 millions d'anciens. C'est le record de recette pour un match entre deux clubs d'Europe. C'est vraiment une recette extraordinaire. Vous savez aussi que ce match est retransmis dans toute l'Europe puisqu'il y a 13 pays qui ont repris ce match ce soir. Les deux équipes maintenant vont rentrer sur le terrain. Je vais demander l'opinion de nos camarades. Il y a plusieurs camarades français qui sont là ce soir. Il y a notamment l'entraîneur Joseph Mercier. J'aimerais bien avoir son opinion sur l'ensemble de la première mi-temps rapidement car la deuxième va commencer. Paradoxalement, c'est l'équipe britannique qui m'a fait la meilleure impression. Je suis comme Jean Eskenazi, j'aime bien revenir aux sources. Et je pense que le volume de jeu de cette équipe anglaise, son style, ont été, à mon sens, non pas plus déterminants, mais plus agréables pour moi que celui de l'équipe milanaise. L'équipe milanaise a eu des coups de boutoir par son ailier gauche en particulier, et aussi par Sormani, bien sûr, qui est très solide et qui a marqué un but. Mais personnellement, je pense qu'au match retour, l'équipe anglaise devrait réussir à passer ce bastion qui paraît infranchissable de l'équipe de Milan, car véritablement, une défense comme celle de Milan aujourd'hui a posé de graves problèmes à des joueurs de tout premier plan comme Bett, comme Charlton, comme Loeb et même comme Staïd, ce qui participe souvent aux attaques. Je rends le micro à Michel Drucker, car le coup d'envoi va être donné. Merci beaucoup. Oui, eh bien, 1-0, nous parlions un instant du match retour, mais nous n'en sommes pas là. Nous allons voir maintenant ce que vont faire les joueurs britanniques, étant menés 1-0. Devant cette équipe italienne, peut-être moins séduisante par son style de jeu, mais ô combien dangereuse par ses coups de boutoir, comme Joseph Mercier vient de vous le dire. Fogli, le numéro 14, aux prises avec les défenseurs britanniques. Stiles, Nobby Stiles, qui vous l'avez vu au cours de cette première mi-temps, a été partout. Contre-attaque rapidement menée par Demi Flo. Ah, les supporters italiens ont cru un instant, et nous aussi d'ailleurs, que leur équipe avait marqué un deuxième but. On se demandait ce qui s'était passé, s'il y avait un coup franc, s'il y avait un hors-jeu. Eh bien finalement, il n'y avait pas but. La balle n'était pas rentrée dans les filets des joueurs britanniques. Coup franc tiré par Nobby Stiles sur la ligne médiane. Ah, les joueurs de Manchester maintenant. Best. Et c'est parti comme une fusée. Les joueurs de Manchester vont essayer sans doute, pendant ce premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps, d'égaliser, de foncer. Et s'ils voient qu'ils ne peuvent pas se passer ce mur, cette forteresse milanaise, eh bien ils vont sans doute se contenter du résultat, ce qui serait d'ailleurs un bon résultat, car 1-0, ce n'est pas grand-chose quand on pense dans quelle ambiance va se jouer le match retour au stade Old Trafford de Manchester. Le 15 mai. Attaque dangereuse de Milan. Oh, reprise fantastique qui est passée de très peu à côté. Oh, ce boulet de canon du numéro 8 italien, c'est-à-dire le Desti, s'est écrasé devant les photographes. Quant à l'arbitre, il fait signe à Bobby Charlton, le capitaine, de calmer les joueurs, de calmer les esprits. Jusqu'à maintenant, le match n'a pas dégénéré, ce qui est une performance, vous savez. Car être encouragé par 85 000 Italiens à Milan, et mener 1-0, évidemment, ça donne des ailes à des joueurs comme ceux de l'AC Milan. Ça leur donne aussi les épaules, et souvent les épaules bousculent un peu l'adversaire. Nobby Stiles, quel joueur! Contre-attaque de Bess. Nobby Stiles a peut-être été le meilleur joueur de Manchester en première mi-temps. On ne l'a peut-être pas vu souvent dans l'écran, sur votre écran, dans le champ des caméras, mais il a marqué, il a été lucide, il a contré souvent. Prati. Ah, bon crochet de Sormani. Low crochet par Sormani. Les deux joueurs vont-ils se serrer la main, oui.
Carlemagne se voit être viril. Des joueurs restent des gentlemen car ce sont des joueurs de classe. Et comme tous les joueurs de classe, ils sont toujours relativement corrects sur le terrain. Attention à ce coup franc. Le cadenier milanais Bratti prend son élan. Le mur est formé. 25 mètres face au but. Amrine avait remis. La défense britannique était là. Fogli. Oh, que c'est joli! Que c'est joli! Quel but fantastique! Avec une fin, avec la fin de corps. Regardez ce but. Fin de corps de Bratti. Et c'est le Messi ou Amrine. C'est Amrine, je crois, qui marque. Quel but! Oh, quel but extraordinaire! C'est un chef-d'œuvre ce but! 2-1-0! Je crois que c'est Amrine, le vétéran, qui a marqué! Oui, c'est bien Amrine! Regardez maintenant l'action ralentie! Vous avez vu la fin de ce corps du numéro 11, Prati, qui a laissé passer la balle, qui avait été tirée de l'aile droite par Tormani. Et en but 4, Amrine a repris! Oh, but fantastique! 2-1-0 maintenant. Ah, alors là, les joueurs de Manchester vont avoir du mal. Car la défense italienne, Bobby Charlton était dangereuse dans cette action, qui a laissé au sol le numéro 5, le demi-centre Malatrasi. Oh, ce but! Vous l'avez vu, d'ailleurs, je crois. J'ai jeté un œil sur mon écran, je crois que vous l'avez vu à la vitesse normale et ensuite au ralenti. Quel but! Ah, le sang-froid de Prati, qui a laissé passer la balle entre ses jambes, il avait senti derrière lui Amrine. Ce qui a bien sûr complètement déconcerté Grenade. Ça a bien entendu le gardien River. Dribble de Best. Dégagement de la tête de Palatrati. Denis Fleur reprend de volée, manque son tir. Les pétards explosent maintenant aux quatre coins du Stade San Siro. Les Spagnons sont agités dans tous les coins. Morgan. Et belle interception alors que derrière Kudicini se trouvait qui dans l'embuscade. Style. Oh, poussé, oui, coup franc, bien joué. Bien joué, monsieur l'arbitre. Rappelle-Denis a bousculé Style alors qu'il n'avait pas la balle. Joseph, merci, vous disait il y a l'instant que le style de jeu de Manchester a peut-être été plus séduisant. Mais avouez que pour le réalisme, l'opportunisme des joueurs de Milan, sont vraiment extraordinaires. Ils ont eu deux ou trois coups de boutoir, ça a été deux buts et un but d'ailleurs, qui était presque joué en fin de première mi-temps. Coup franc tiré par Best. Style redonne à Best. Interception de Trapattoni. Nos confrères britanniques qui sont à nos côtés, qui font partie de ces 13 commentateurs d'Eurovision qui sont ce soir à Milan, sont suffoqués par ce but. Et j'ai d'ailleurs à mes côtés le commentateur de la chaîne de Manchester qui sur ce but est resté vraiment muet. 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Tormani, Prati, Fogli, encore Prati. Prati qui est vraiment, on pourrait dire, l'auteur de ce deuxième but. Par sa vista, il a laissé passer pour derrière et Amrine ne s'est pas laissé surprendre par la fin de son camarade, il l'attendait sans doute. Le défi reste debout malgré la charge de Lowe. Lance pour Prati. Quelle puissance, c'est vrai, ce Prati. Ah, les Italiens maintenant. L'Odetti. Trapattoni. Alors que Prati est toujours là-bas derrière le mur, à la limite du hors-jeu. Ah, pour l'instant, c'est le raz-de-marée. Là, depuis 5 minutes, vraiment, depuis ce deuxième but, les Italiens gonflés à bloc attaquent de tous les côtés. Brennan. Vous avez vu Fogli acclamé sur cette charge. Et Fogli toujours lui.
Brennan réussit à donner. Non, il est chargé. Ah, l'explication. L'explication entre Kitt, le numéro 8. C'est un jeune garçon, vous l'avez vu. Et Rossal Alto, le numéro 4. Ça va être assez étonnant à entendre. L'accent de Manchester et celui de Milan. Je ne sais pas ce que ça doit donner. Et encore un coup franc. Ah, M. Knavek a vraiment beaucoup de mérite ce soir. Car pour tenir ces deux équipes, il faut vraiment être calme, détendu, serein et ne pas se laisser influencer par les vivas de ces 85 000 tifosi. Prati, Tormani, qui a laissé sur place Anquiwetti. Tormani aux prises avec Stiles. Ah, ce Stiles. Ah, Milan joue bien maintenant. Schnellinger. Milan domine, domine. C'est incontestable. Amrin. Oh, voyez, mauvais contrôle. Mauvais contrôle du numéro 4 au Rosato. Oh là là, les Milanais contrôlent ce match. C'est formidable maintenant. Vous entendez les bravos. Tête de Prati. Tormani est là. Schnellinger aussi, mais... Oh, une faute de la défense. Regardez ce crochet. Tir de Prati. Détourné par le jeune Krenan. Schnellinger. Hors jeu de Prati, l'arbitre ne dit rien. Et finalement, c'est Riemer. D'ailleurs, il était litigieux ce hors jeu. Il était très flou. L'arbitre a levé son drapeau, l'a rebaissé. Je parle du juge de touche, bien sûr. Oh, quelle tornade qui s'abat sur Manchester depuis des minutes. Attention à la montée d'un Kiwetti. Oh là là, quel engagement physique, c'est formidable. Ah vraiment, ces deux équipes, en particulier Milan, reflètent parfaitement l'image du football européen moderne actuel. Un engagement physique, un jeu direct. Écoutez, c'est fantastique l'ambiance qui est là maintenant. Et le jeune Riemer est dégagé à la main, rageusement. Sur son ailier, Morgan, aux prises avec Schnellinger, qui recule. Brennan. Ils sont sifflés, hués, les Britanniques. Toujours Brennan. Charlton. Oh, ce tir qui n'est pas passé loin. Oh là là, ouais. Et les connaisseurs. Il y en a ce soir à Milan, vous savez, il y a aussi des choix objectifs. On t'applaudit vraiment cette reprise de Bobby Charlton. Des reprises comme ça, il en a ajusté il y a 2-3 ans lors de la Coupe du Monde. Les défenseurs portugais, les défenseurs allemands en particulier s'en souviennent. Milan, qui est le plus vieux club italien, le plus prestigieux, qui a le palmarès le plus brillant, était finaliste de la Coupe d'Europe en 58 et l'avait gagné en 63. Et pour l'instant, disons que la partie semble bien engagée pour les joueurs de Milan. Encore Pietrino Prati. Ah, il s'engage, il n'est pas très spectaculaire, pas très joli, mais terriblement efficace. Comme une interception de Trapattoni. Morgan. Les joueurs milanais qui ont remporté la coupe d'Europe en 63 en battant en finale à Wembley Benfica voudraient bien réussir cette année le doublé. Et quand je dis le doublé, mais mauvais vilain geste de Brennan. Quand je dis le doublé, je parle bien sûr du championnat italien et de la Coupe d'Europe, car pour l'instant les Milanais sont bien placés en championnat d'Italie, sont deuxièmes. Contre-attaque avec Denis Flo pour Manchester. Denis Flo, Best au Brennan. Best qui a été sacré meilleur joueur européen pour l'année 68 il y a 3 jours à Old Trafford à Manchester. Brennan.
Balancé, Morgan c'était d'ailleurs. Les Milanais qui sont classés deuxième au championnat d'Italie derrière la Fiorentina, Florence, à un point seulement à 4 jours. À 4 journées de la fin du championnat, ont toutes leurs chances de remporter le championnat et peut-être, pourquoi pas, la Coupe d'Europe. Sur ce corner, tête de Kidd. Balle récupérée par Morgan. Tyle, encore en couverture, toujours là. Denis Law. Ah, qui croise magnifiquement avec Grerand. Grerand aux prises avec Schnellinger. Bobby Charlton, Coup franc pour accordé par l'arbitre par pour Milan. Coup franc pour Milan. Voici Bobby Charlton ici en gros plan. Qui avait été blessé sérieusement, qui n'avait pas joué pendant un mois. Et qui a été rétabli pour ce match si important. Malatrati, Grenan. Schnellinger aux prises avec Morgan, Denis Law. Et contre-attaque immédiatement amorcée par l'inévitable Nomi Tyle. Ça sans doute était le joueur le plus sifflé pendant la dernière Coupe du Monde. On le considère comme un joueur trop viril, trop dangereux. En fait, c'est un joueur typiquement anglais. Longue montée, très très longue montée des Italiens. Amrin, mais Rimmer a pu sortir à temps. Rimmer qui a peut-être, malgré tout son talent et la jeunesse de ses 19 ans, il a peut-être justement à cause de ça le premier but dans la conscience, encore que le tir de Sormani était très très violent. Quant au deuxième but, il ne pouvait absolument rien, car Amrin se trouvait à 3 mètres de lui quand il a frappé violemment cette balle que Prati avait laissé passer volontairement. Minutes de jeu en deuxième mi-temps et toujours 2-0 pour l'AC Milan. Schnellinger et toujours Prati, terriblement bon. Oui, il a été bousculé d'abord par Fitzpatrick et ensuite par Denis Law et l'arbitre d'accord un coup franc. Et l'arbitre fait le ménage car c'est ça de projectiles commence à tomber de toutes les tribunes noires de monde du Stade San Siro. C'est Fogli qui avait remplacé Rivera qui le tire, ce coup franc. Les Britanniques dégagent comme ils peuvent. Oula, oh là là. Oui, coup franc pour cette charge un peu brutale de Rosato, Bobby Charlton, Low. Low. Un Best dans le rond central, bousculé. Le petit Best, surnommé le Beatles. L'Irlandais, originaire de Belfast, où habitent ses parents, qui était d'ailleurs samedi à Manchester, quand Manchester a rencontré Burnley. Et avant le coup d'envoi, Best, je vous l'ai dit, avait reçu le ballon d'or de notre confrère France Football, meilleur joueur de l'année. Attention, c'est dangereux, il était là-dessus d'ailleurs, Best, vous voyez le 11. Best sacré meilleur joueur de l'année 1968. Et qui a d'ailleurs marqué le but décisif de Manchester en championnat contre Burnley. Ça c'était pour la petite histoire. Corner maintenant, joué par Charlton. Morgan, dans le rond central, ils sont tous là. Low, Kidd, Best, dans les 18 mètres plus exactement. Mais il y a aussi cette solide défense italienne. Malatrati, Schnellinger, non, qui a finalement laissé à Rosato. Ah, Stiles, regardez ce Stiles, c'est fantastique. Ouais, évidemment, il y a coup franc.
charge est rude. Il ne vit pas, une fois encore, il en a l'habitude. Renvoyé dans son camp par l'arbitre qui lui dit, vous avez tout de même été un peu violent sur Croatie. Et encore, il paraît qu'il a fait des progrès, Style. Il est beaucoup plus doux que par le passé. Voyez ce que ça donnait il y a 3 ans. Et c'est l'idole. L'idole de Milan. Celui dont le visage est en première page de tous les journaux italiens depuis 8 jours, c'est-à-dire Prati, qui a marqué ce but qui vaut de l'or, qui a valu de l'or, qui a éliminé le Celtic de Glasgow à Glasgow il y a 15 jours. Il se relève maintenant à ses côtés, le numéro 3, l'allemand Schellinger. Vous savez qu'il y a de très nombreux joueurs étrangers, voilà, Prati se relève. De nombreux joueurs étrangers qui jouent en Italie, c'est le cas de Schellinger. Il y a eu de nombreux Suédois, il en reste un, Amrin, mais il y a eu auparavant Nordahl. Il y a eu même Jimmy Greaves, un Anglais, meilleur buteur du championnat anglais, qui est resté seulement 8 mois et qui est reparti à Tottenham. Mais Schellinger, lui, est fidèle au poste. La défense de Manchester passe un moment difficile. Milan acclamé, poussé, porté par son public. Corner. Attention à Tormani. Retourné de Prati. Bien essayé. Vous voyez cet athlète 1m80. Né à Milan. Vous avez vu les pétards qui fusent maintenant. Et l'arbitre arrête une seconde et il va s'expliquer avec les supporters. Voilà, on va faire un peu le ménage car c'est tout de même très dangereux. Car vous ne le voyez pas sur votre écran, mais je peux vous dire qu'il y a pas mal de bouteilles de jus de fruits, de limonade qui tombent de tous les côtés. Projectile bien sûr très dangereux pour les joueurs. Le jeu a repris. Contre favorable à Brennan, Denis Lowe. Tormani qui ressemble un peu dans sa façon de courir et de contrôler la balle à Gianni Rivera qui est sorti tout à l'heure. Très belle interception de Riemer avec une montée fantastique encore dans cette action de Prati. Écoutez comment Sainz se fait siffler. J'ai l'impression que pour lui, c'est un stimulant. Il y a des joueurs qui perdraient leur sang-froid, lui, pas du tout. Regardez-le. Et accroche-pied maintenant. L'arbitre s'est joué. Honesty. Tormani, qui est vraiment le régulateur depuis la sortie de Rivera. C'est lui qui est à l'origine de toutes les attaques, auteur du premier but. Et qui contrôle toutes les attaques et toute l'attaque, et tous ses avants. Il donne toutes les balles, on se replie. Alors que le jeune Vest, 22 ans,
donne à son vétéran capitaine... l'est beaucoup moins, car il a du mal, malgré tout son talent, toute son expérience, tout son génie et toute sa condition physique, à passer ce mur. Oh là là, ouais, coup franc, oui. Oui, de toute façon, j'ai regardé ce tir, mais auparavant, j'avais vu l'arbitre qui avait sifflé au départ de l'action. Et il a été joué. Voyez, oui, à nouveau ce tir, qui a été sorti en corner par Cunicini. C'était un tir de Denis Lowe. Car auparavant, vous l'avez vu, avant ce tir, il y avait un joueur qui avait été retenu au sol. Mais sur cette action, Codicini, qui a 1m93, ce qui pour un gardien de but, et c'est un avantage sur les balles hautes, a pu se saisir de la balle. Oh, ce centre de bête était assez vicieux. La balle tournait, on ne savait pas si elle sortait. Explication maintenant. Entre qui et qui? Entre Kidd et entre Lodetti et un photographe. Vous voyez que le réalisateur de la télévision italienne, de la RAI, Osvaldo Pietrandini, a assez bien disposé ses caméras. Il en a trois en haut et une au sol. Le capitaine vient de dégager. Le capitaine, eh bien, c'est Trapattoni qui a pris le brassard de Rivera quand il a quitté le terrain. River, hors de ses 18 mètres, se mit les dégagés au pied. Oui, quel sang-froid pour un jeune garçon de 19 ans. Attention à Prati, qui est un danger constant. Il est là, il s'engage, c'est vraiment l'avant-type. Zellinger a enlevé un peu trop son tir. Et Jimmy Rimmer va pouvoir remettre en jeu. Il garde son calme. Il faut d'ailleurs avoir un équilibre psychique, un équilibre psychologique pour ne pas s'énerver, pour garder le contrôle de ses nerfs, pour ne pas faire d'erreur dans une telle ambiance, dans une telle arène. Il y a vraiment tout d'un cratère ce soir. Oui, poussé dans le dos. Tormani, poussé dans le dos par le Malatrassi, le demi-centre. C'est pas Malatrassi d'ailleurs, mais c'était Folks, le vieux Folks. On dit le vieux, ce sont les journalistes de la presse écrite qui l'ont surnommé le vieux, car c'est un des vétérans de l'équipe avec Charlton, et c'est surtout un des rescapés de la catastrophe de Munich en 58, dans laquelle 99% de l'équipe avait péri, vous vous en souvenez, de l'équipe de Manchester. Tormani. Ah, quelle technique admirable. Tir contré par Folks et cheveux blonds au vent, Charlton. Sifflé immédiatement dès qu'il touche la balle. Brennan, relayé par Denis Lowe, l'Écossais. Il joue avec l'équipe d'Écosse contre l'Allemagne de l'Ouest il y a 8 jours.
Et l'arbitre n'a pas vu. L'arbitre n'a pas vu qu'il y a eu une explication entre Brennan pour Manchester et Amrin. Et Amrin pour Milan. L'arbitre laisse jouer. Non, il arrête le jeu. La caméra n'a pas suivi. Voilà, elle y est maintenant. Il y a eu un échange de coups que vous n'avez peut-être pas vu, alors que le jeu se déroulait de l'autre côté du terrain. Ah, il y a eu un échange de coups entre Brennan, qui a vraiment descendu, le Suédois Amrin. La base virale VPS a été mise à jour. Et il va sans doute aller chercher maintenant Brennan. Ça ne m'étonnerait pas qu'il lui donne soit un avertissement ou qu'il expulse. Voilà, je vous l'avais dit. C'est Brennan, je crois. C'est l'arrière Brennan qui va être expulsé. Stiles n'est pas d'accord. Bobby Charlton ne dit rien. Oui, je crois que c'est Brennan. Je crois que c'est le numéro 3 que tu... C'est Brennan. Je crois que c'est Brennan qui sort, oui. Amrin toujours au sol. C'est Brennan qui va sortir, je crois. Explication maintenant. Oui, oui, c'est le jeune Brennan qui sort, alors qu'Amrin, lui, est sérieusement touché. L'arbitre check, M. Klavec avait le dos tourné, mais son camarade de la touche avait vu cette action. Et voilà, et entre les policiers maintenant, Brennan retourne au vestiaire. Hey, Brennan, un jeune arrière chevelu. Et je peux vous dire que Matt Busby, entraîneur de Manchester, va lui dire deux mots à la fin du match, car ton geste était vraiment dangereux, volontaire, et en plus sous les yeux du juge de touche. Pour l'instant, on joue à 10 contre 10, car Amrin est sorti, mais je crois qu'Amrin va revenir. Que c'est dangereux. 31 minutes de jeu. Et maintenant, tout à l'heure, c'était les Italiens qui jouaient à 10 au début du match. Maintenant, ce sont les Anglais à l'issue de l'expulsion de Brennan pour une charge vraiment violente. Pour une véritable agression sur Amrin. Bon, hors-jeu. Hors-jeu d'Amrin, hors-jeu de Prati. Et Prati va rentrer gentiment, va revenir gentiment au départ de l'action. Et calmement, surtout, ce qui est de bonne guerre aussi, car son équipe mène par 2-0 à un quart d'heure de la fin. Les Anglais maintenant jouent à 10, il n'est pas question de faire rentrer un joueur. S'il y avait eu un blessé, oui, mais c'est une expulsion. Low. Ah, les Anglais ont passé vraiment une vilaine soirée ce soir à Milan. Charlton était tout de même. Nobita qui va être sifflé, voilà, c'est fait. Stormani, aux prises avec Falk. Nobita vient remettre la balle en jeu. Heureusement que la pelouse de San Siro est cernée de barrières métalliques, d'un grillage très solide. En Amérique du Sud, ce sont des fossés remplis d'eau. Car sans ça, je suis persuadé qu'il y aurait eu quelques fanatiques, quelques supporters inconditionnels de Milan qui seraient venus lui faire son affaire, comme l'on dit. Et lui régler son compte. Ah, c'est Novi Style. Contre-attaque sur Mani. Avant-centre de talent qui a bien joué aujourd'hui.
Prati. Prati. Un des meilleurs buteurs du championnat italien. Belle santé. Roulant. Emporté par son énergie. C'est lui qui a été encore beaucoup plus loin sur la glissade. Remise en jeu Sormani. Je l'y retournais, Amrine était là. Amrine qui a près de 37 ans, qui est le vétéran ce soir sur le terrain, aura tenu toute la partie. C'est tout de même une performance. Mais il a marqué le deuxième but en plus. Morgan, l'ailier droit. Morgan croise avec Anculetti, avec Fitzpatrick très exactement. Un joueur se prépare maintenant sur la touche. C'est Maldera. C'est Maldera qui va sortir pour Milan. Maldera se prépare. Les joueurs milanais font rentrer un joueur frais à 10 minutes de la fin. C'est peut-être Amrine qui va sortir. J'aperçois sur le banc de la touche l'entraîneur italien. Neo Nereo Rocco. Ouais, elle n'est pas passée loin cette balle. Que c'était dangereux sur ce corner. Alors qui sort? C'est le 13 qui sort. Et c'est un joueur qui semble les toucher qui rentre au vestiaire. Je ne sais pas qui rentre au vestiaire. S'asseoir là-bas. Dégagement de Coutinho. Alors que mon récepteur ne marche plus, ce qui ne m'arrange pas bien entendu. Voilà, voyez au sol. Maldera est rentré. Cudicini va dégager. C'est Rossato qui est sorti. C'est l'arrière Rossato qui est sorti, qui avait été touché, qui semblait fatigué, qui a été remplacé par Maldera. Alors là maintenant, les Italiens ont bien le match en main. Ils ont la victoire dans la poche pratiquement. Ils font rentrer un joueur frais, ils mènent 2-0. Et ils jouent en plus à 11 contre 10. Folk, aux prises avec Sormani, mais en touche. Folk, le numéro 5. Je ne me souviens pas si je vous l'ai dit depuis le début de ce match, qui est un des rescapés de la catastrophe de Munich, avec Matt Busby, l'entraîneur, et avec Bobby Charlton. Ce sont les trois rescapés de cet accident d'aviation qui avait entièrement décimé ce club. Club qui, en 11 ans, a réussi à retrouver le premier plan et à rebâtir une équipe fantastique qui, même si elle est battue ce soir, n'en demeure pas moins une des meilleures d'Europe. Et qui n'a pas dit son dernier mot lors du match retour. Mais ce soir, les Italiens ont vraiment bien joué. Fidèles à leur style, des coups de boutoir, une défense imperméable, un gardien très adroit, Cudicini, que voici, qui n'a fait aucune faute. Malatrasi. On joue maintenant depuis 38 minutes, 39 minutes en deuxième mi-temps. Kreran, qui n'a plus son compère Brennan à ses côtés car il a été expulsé, vous l'avez vu. Prati. Ah, le contrôle de balle de Prati, c'est quelque chose de merveilleux. Prati, aux prises avec deux joueurs, et pas des moindres, Denislo et Kreran, toujours lui. Et il tire. Et Rimmer est bien placé. Alors c'est un bulldozer ce Prati. À gauche, en bas maintenant sur votre écran.
Domicile. Domicile. Qui n'écoute pas les sifflets. Et qui cherche son capitaine Bobby Charlton. Denis Lowe. Toujours Style. Et les Italiens maintenant, tranquillement, il reste 7 minutes à jouer. Maintenant à la cinquième minute de la fin du match, la dernière minute, les cinq dernières minutes très exactement. Et contrairement à l'émission de Claude Lourset et à l'inspecteur Bourrel, il n'y aura pas de suspense. Car le match est joué maintenant. Milan va remporter ce match sans doute par 2-0. Et se trouve maintenant en bonne position pour aller en finale le 28 mai à Madrid. Probablement contre l'Ajax d'Amsterdam, car les Hollandais ont 3 buts d'avance sur les Tchèques de Travna qui rencontrent demain. Schnellinger pour Milan. Il va donner à Prati, non. Prati n'est pas suffisamment démarqué, il préfère donner à Lodetti. Amrin derrière, voilà. Amrin toujours, 37 ans, regardez comment il joue encore ce garçon. Amrin toujours. Il était temps. Et Folk dégage. 4 minutes à jouer. Le public de San Siro est debout maintenant. Et il va faire vraiment une ovation fantastique à son équipe dans 4 minutes. Bobby Charlton. Charlton. Ah, oh, il a raté cette balle. Tormelli, loin, trop loin. Et c'est Rimmer. Il dégage. Nobby Stiles est au sol pour Manchester, victime de crampes, je crois. Denis Lowe, oui, Stiles a des crampes. Un seul homme de kit, Kidan Akrenan, qui rate son temps. Ah! Et qui est sifflé, que la foule est cruelle. Car Clément est un très très grand arrière. Peut-être petit par la taille, mais grand par le talent. Voyez les crampes. Voyez la fin d'un match de Coupe d'Europe, si c'est difficile pour des joueurs de talent comme Stahl, car Stahl est un grand joueur. Très sportivement, Prati vient voir ce qui se passe. Denis Lowe, le master de Manchester, vient soigner Stahl. L'arbitre a arrêté le jeu, alors qu'il reste encore 3 minutes. C'est maintenant Folk. À droite, Amrin à gauche, qui vient dire à son camarade Prati, je crois que maintenant, nous avons la victoire en poche et peut-être la qualification pour la finale. Stiles va sortir, il va quitter le terrain, aidé par les côtés là-haut. Voyez d'ailleurs, c'est aussi la détresse des joueurs de Manchester qui se lisent dans cette image. Les joueurs de Manchester qui sont battus, indiscutablement. Ils n'ont rien pu faire. Et qui font rentrer, ils en ont le droit cette fois, car c'est un blessé qui sort, ils font rentrer le numéro 15, c'est-à-dire Burns en bas à droite. Encore 2 minutes 30 à jouer. Schnellinger. Ah, c'est à l'heure au vestiaire quand nous irons voir les joueurs. Je peux déjà vous dire que les masseurs et que les médecins auront du travail.
car les chevilles des 22 acteurs de cette demi-finale ont sûrement doublé de volume. D'ailleurs, on peut déjà féliciter l'homme neutre de ce match, l'homme en noir, le Tchécoslovaque Knavec, qui a remarquablement arbitré ce soir, car pour tenir ces deux équipes qui jouent de façon virile et qui s'engagent à fond, bien vous savez, il faut non seulement connaître bien son métier, mais avoir l'habitude du public italien, il faut avoir du sang-froid, du calme, ne jamais se les impressionner, savoir différencier une chute imaginaire, un coup imaginaire et un coup véritable. Et M. Knarnec a été excellent. Burns qui vient de rentrer. Longue montée de Kéran. C'était sa dernière pour les Anglais. Elle a été donnée à l'eau et dégagement en touche de Trapattoni. La personne au confrère de la presse écrite à gauche, qui parle déjà, qui commente ce match comme s'il était terminé. Personne, notamment notre confrère Jean-Luc Kennedy de François, qui en a vu des matchs et qui lève les bras lui aussi. Voilà, c'est fini. C'est fini pour Manchester. Je ne dirai pas que la Coupe d'Europe, la finale de la Coupe d'Europe est maintenant gagnée pour l'équipe de Milan, mais disons que 2-0 avant le match retour à Manchester le 15 mai au Stade Old Trafford, c'est un avantage tout de même assez appréciable que les Italiens, grâce à leurs défenseurs brillants, peuvent préserver. Je vais demander à Joseph Merci ce qu'il en pense d'ailleurs. J'ai été beaucoup plus impressionné par Milan en deuxième mi-temps. Non seulement par sa rigueur défensive, mais aussi par son comportement offensif. Je crois effectivement que ce sera très difficile au tour pour Manchester, car la technique, en définitive, ne se manifeste que dans la mesure où on est maître du ballon et où on peut individuellement ou collectivement se libérer de l'opposition. Et ce ne fut pas le cas aujourd'hui pour les trois ballons d'or de France Football, Best, Charlton et Lowe. Et je pense qu'effectivement, chez lui, il faudra vraiment que tous ces joueurs manifestent tout leur talent pour essayer de remonter les deux buts qui leur ont été aujourd'hui marqués par l'équipe de Milan Athletic Club. Merci, voilà les joueurs rentrent maintenant, voici Morgan Nellier, vous avez vu en...